Salut Kesti. Ah non, je veux pas lancer une attaque de gang moi. Oui oui oui. Salut Kesti, salut Bekev. Pourquoi j'entends pas? Ok, pas de soucis, à tout de suite. Oh mon Dieu. Pourquoi je vois personne? C'est proche. Et Blaguer. Thank you.
Salut. Salut. Ça va? Ça va bien. Ouais, toi? Bah, ça va. Ah, c'est quoi ce bruit? Ah. Je sais pas, oui, attends. C'est clac-clac là. C'est moi ou pas? Kesti, t'as ton micro qui déconne, coupe-le! Ah oui, c'est Kesti, il a un problème de micro, ouais. Coupe ton micro! Ouais. Attends, je vais lui envoyer un SMS, peut-être qu'il n'entend pas. Là, il a arrêté le bruit donc. Alors. Ça s'est arrêté? Ouais, pour moi ça s'est arrêté, pas pour toi? Attends, bah je sais pas, je l'ai mis en muet là. Ah. C'était un peu désagréable. Voilà. Ouais, non, mais ça a l'air de s'être arrêté là. Est-ce que je m'entends parler? Je peux pas faire autrement. 1, 2 à 2. Qu'est-ce qu'il dit? Sur le fil, peut-être derrière le canapé, non? Ce que je comprends pas, c'est que je vois son truc de micro bouger, mais je l'entends. Entend Kesti? Non, je l'entends pas du tout. Ouais, c'est bizarre parce que son machin, son truc de micro, il marche pas. Enfin, il fait comme si ça, comme s'il parlait, mais je l'entends pas. Mm. Alors, oui, un message. Voilà, un de micro. Salut Flint! Salut mec! Ça va bien? Ouais, ça va et toi? Bon. Là, je t'entends super loin. Et là, tu m'entends? Ouais. Ouais. Un petit peu, ouais. Et on dirait que le micro il est faible. Comment? Je reviens. On dirait que oui, ah bah oui. Il y a un problème de micro. Salut Roy. Salut Roy. Pardon. Oui. Salut. Ça va? Au revoir. Oui.
vieux, il m'a pas dit une PS3. Une nouvelle PS3, moi je l'ai mieux. Comment? Le vieux m'a pas dit une nouvelle PS3. Oui, du coup t'en as acheté une autre ou tu l'as réparée? Bon, en fait j'en ai acheté une sur le bon coin. C'est pour 1€. Ok. Le mec il avait acheté tout seul, il a fait 4 mois et puis du coup il a arrêté de jouer. Puis, Par contre je t'entends très très mal. Coco et Kerstin qui arrivent. C'est la 4K. Ah. Ouais, ça grésille en fait. Ah. Et qui c'est qui va se prendre une 4K là? Elle est abordable, hein, elle est au même coup que la télé normale. Allô? Oui? Vous m'entendez? Très faible, mais je t'entends, oui. Moi j'ai dit bonsoir, je suis vexé, personne n'a répondu. Secondo, tu n'as rien dit, Kono, tu n'as rien dit. Salut Coco, salut Gerslim. On dirait que tout le monde est en deuil, je sais pas comment. Salut tout le monde. Salut Kono. Salut Poto, Kono. Ça va bien? Salut. Au revoir. Allez. Qui c'est qui a mis une prime sur Castille? Le jeu. N'oublie pas que le jeu peut mettre des primes si tu veux une voiture dans la rue. Ah oui, c'est vrai, ouais. Et là, il est en hélico, là, non? Ah non, pardon. Allez. Qui va chercher la prime, la guerre. Voilà, toujours. Dommage, je suis happy. Voilà. Ouah, c'est quoi ce micro qui déraille? C'est celui de Kesti, il déconne. Il y en a un qui frotte le micro. Ah, c'est ce que j'allais dire. Roule le micro comme la chasse. Ah, il est vers la boîte de striptease. Tu sais que t'as plus besoin d'argent, Black Air, hein? Oh, j'ai rempli d'argent. Il me ferait Oui, mais continue aux actes. Peut-être un peu de joie, quoi. Il y en a que j'entends, mais de loin, quoi. Impressionnant. Thank you.
T'as joué? Est-ce que t'as joué? Merci, maintenant je suis obligé de rappeler la chance chaque fois. Je me rappelle même pas le nom. Tu me rappelles jamais le nom des caisses, c'est que Becker. T'as vu mon véhicule, Becker? Comment il s'appelle mon véhicule? Le véhicule, si je ne me trompe pas, c'est un Sun King. Sun King? Ouais, Sun King, roi des sables. Par contre, j'ai pas fait attention si c'est la version 2 ou 4 portes. Ah bah attends, j'appelle la mutuelle. Bon, si t'as raison. J'espère pour toi qu'au moins t'as raison là. Oui, oui. Ouais, il a raison, Sun King. Oui. Sun King K. Bravo. Sun King K. T'as une bonne mutuelle, j'espère, le connard. Coco, tu peux augmenter le son de ton micro, s'il te plaît, parce que... On peut pas faire, bah ouais, c'est vrai. C'est ça? Allo, Coco? Ah ouais. C'est bon? Ah, c'est mieux, ouais. Ah, parce que c'est un truc rétractable, ça veut dire que le micro, je peux le tirer, je peux le pousser, je peux le mettre en arrière sur les oreilles. D'accord. Je peux le tirer au moins jusqu'à un mètre. Je peux le tirer jusqu'à un mètre. Ouais, faudrait voir une communication. Un soir, je vais dormir avec mon micro. Je dormais avec mon micro, c'est bizarre. On va parler et tout. Ouais, il fallait faut que j'aille le chercher en plus. Bah attends. Classe, le logo. Tu voulais peut-être faire remonter la dame. Ah non. La dame, elle commençait à monter. Il fait remonter les post-it. Oui. En fait, j'ai entendu demander ce que tu veux. Ton micro, Koubiak. Quoi? Du micro? C'est pas lui. Il est... Alors je vais regarder. Alors t'es con. Quand le normier, on l'entend. Ouais, si, si. Viens toi, hein, Koubiak. Viens toi, il y a une espèce de sifflement, en fait. Un faux contact ou alors D'accord, j'ai vu le pote qui arrive. Ouah.
Mais merde, je suis en mode passif. Oh, Daniel! Oh, putain, le Daniel! Ow! Tu m'as tué, le con. Bravo, tu vas faire quoi? Attends, j'arrive. Ah, t'as la version XL que t'as, d'accord. C'est moi, c'est le truc qu'on peut pas le blinder. Hein. Comme ça, blinder et tout, mais c'est énorme. Alors, qui c'est? Qui va? Non. Bah, on va attendre. Hein. Toujours pas là. Alice, Lio. Il y a un problème de communication. Les serveurs Rockstar PS Pro, on dirait qu'ils commencent à... Ça va avoir marre. De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oui, quoi? Il y a un personnage de manga là qui est pas mal. Tu sais, où il fait des enquêtes, le mec. Après, il rate ici, il devient un tout petit garçon. C'est Kaidichi. Oui, détective Conan. Voilà, il faut le détective Conan. Non, c'est un micro qui est en perte de vie ou qui est... Ouais, je vous amène des étoiles. Gentil. Bravo. Qui c'est qui a explosé qui là? C'est Bekel. Oh le vilain. Il n'est pas couleur camouflage là. Vous avez remarqué? Il faut pas se cacher. Pas là ce soir, Coupette. Il est là, hein. Non, c'est pas lui. Bah écoutez, il cuisine chez lui, c'est pas là. Oui, lui, il est en vacances, il est au Japon. Ouais, il va plus venir sur PS3.
Oui, il fait les braquages, il a dit qu'il en avait pour un mois à peu près. Voilà. Bien qu'il est là. Et ça va, on ne suffit pas nous, c'est bon. Merci. Hein. Il est dans son appart là, faudrait qu'il descende. Voilà. Ah, chaque fois que je descends, il y en a, il veut me flinguer, donc c'est bon. Bah là, on vient de chercher. Ah bon, une voiture orange qui t'attend, sinon t'as une moto. Où est-il ? Une voiture orange, quand même. Juste une voiture orange, quand même. C'est trop calme. Ah, t'as fait de partout. Qu'est-ce que c'est ? Non. C'est pas pour la voiture. Oui. Toi, sous le... Qu'est-ce que tu peux te calmer deux secondes ? Dans l'abri, là. Là où est Watib ? Je veux dire que c'est moi parce que moi j'ai une profondeur, donc... Ouais, attention, je vais pas l'écraser non plus. T'es obligé de pousser sa moto. Ah bah, c'est pas Blecker qui m'a rentré dedans tout à l'heure avec sa merde de pick-up, hein. C'est pas moi, c'est à Kono, donc c'est la merde de Kono. Oh, c'est pas de la merde, excusez-moi, c'est pas de la merde. Bah voilà, ça ouais, c'est... Ouais, désolé Kono, on dirait le gros pick-up de l'homme qui tombe à pied. Ah non, ça c'est... Ah ouais, il peut se déplacer, machin. Ouais, Koub, il y a un nouveau contre-la-montre sur PS4 là. Il y a un nouveau contre-la-montre quoi ? Il y a un nouveau contre-la-montre sur PS4. Ah ouais ? Ah, il est président pour monter le Ciliade. Il paraît qu'il y a un deuxième soleil aussi sur GTA sur PS4 aussi. On peut voir deux soleils. Ouais. Ce que j'ai vu. Ouais, non, mais on est quand même là, quand même sur PS3. Il y a un soleil en plus que sur PS3. C'est ah bon sur, Ah ouais, bah, tu me le montres parce que je l'ai pas vu son deuxième soleil. Ouais. Tu tires dans le soleil et après il peut faire que si. Tu peux y habiter, tu peux avoir un appartement sur ce soleil. Bon, tu peux juste qu'une journée, mais c'est pas grave. Ouais, j'ai pas essayé, j'étais dans la lune et elle me change de taille. Non, c'est tout, putain, Andréa. Ça me file les 10 bah, pièces de... Bah, c'est... Les anciens, après j'étais à 4, en fait. Ouais. Mais j'étais à 3, avec les 10, Andréa, c'était comme ça. Ah. Là, je te dis, je suis en train de... Bon, on a pas du parti. Moi, je parle de ce truc, je suis en train de voir ce qu'il y a, des trucs qui sont hallucinants, dedans. Ouais, c'est tout ça, vous voyez bien. Mais attends, un matelas pour ton appart. Ouais, tu passes, tu vois, j'avais ton matelas pour l'appart et tout. Ça, j'avais pas le souvenir, ouais, je me souviens, tu me l'as dit en message, mais j'avais pas le souvenir qu'on pouvait faire ça. Ça fait longtemps que j'ai vraiment. 40, je sais pas combien, un kilo combien. Et franchement, j'ai halluciné sur le truc du détail, quoi. Parce que. C'est rien. Non! Non, oui. Si, non. Tu m'y jettes. Si, non. Et si, non. Non, mais n'éclate pas la voiture, n'éclate pas la voiture. Oh. Ah, bah voilà. Avec ça arrive. Ah. Voilà. Mais j'ai vu, t'as... Oh, mais franchement, c'est galère quand même de donner des coups avec le carré, faire les coups et tout, quand même, c'est pas facile. Bah, je vous reprends, hein. Hey, c'est derrière toi, une voiture. Combien, ça ouais. C'est pas facile de donner des coups, quand même, les adversaires qui sont... de la bagnole. Ouais, bah, je sais plus, faut s'y... Mais il y a au plus d'entre, je crois qu'il y a des deux en fait, ou un
Ouais, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai... Je suis allé sur un site pour moi. Salut, tu vois ? Je sais pas si t'as vu, mais... Je sais pas si tu sais, mais en fait, c'est la suite de True Crime qui est sur PS. Oh, il me rappelle. C'est True Crime avant. Voilà, bah en fait, Sleeping Dogs, c'est le True Crime de la suite. C'est pas le cas. Il y a des traits, tu peux choisir entre perdre des mauvaises et des mauvaises thèses. Tu peux choisir entre flinguer des mecs ou leur passer des menaces. Ouais, c'est cool. Franchement, j'avais bien trippé sur les True Crime. Même si bon, c'était des copies GTA un peu moins bien, mais voilà, il y avait quelques trucs qui étaient sympas. Il y avait Mafia 2, je veux faire avec PS Plus, Coco, je sais pas si celui-là, il est pas mal, si celui-là. Coco. Qui, moi ? Bah ouais, enterré. Ouais, je te prie, Coco. Dis-moi, je suis allé me prendre une bouteille d'eau. Ah, c'est ça. Je sais que les bus ont voulu faire Mafia 2 aussi. Un camion, il s'est renversé tout seul. Mafia, j'avais testé le Mafia. J'ai testé la démo, je me rappelle, j'avais testé la démo. J'ai trouvé, non mais tu sais, le déplacement des personnages, les voitures et tout, même là c'est Bulldog, les voitures, franchement c'est un peu galère aussi de conduire. Non mais pas que la... Oui, je sais, mais comment dire, le déplacement dans l'espace, franchement c'était laborieux quand même, c'était beaucoup laborieux. Hein. Non mais, je critique pas, non mais... Attends, mais il y a des jeux. J'avais même décroché le film, c'est vraiment éclaté. Non, mais il y a des jeux qui sont pas parfaits et qui ont un scénario magnifique. C'est ça, justement. Mafia 2, c'était vraiment dans le type parrain, avec ça, c'est vraiment bien foutu. Eh bien, je trouve que Sleeping Dog, par rapport à GTA, je trouve que Sleeping Dog, je viens de le tester là-bas il y a pas longtemps. Mais franchement, je trouve que l'histoire, elle est encore plus épouffée que GTA, quoi. Ah ouais, bon, ça c'est clair, justement, t'as un flic dans la mafia japonaise, c'est vraiment... Putain, mais tu t'en sers plein de trucs à faire de côte, tu me dis, elle fait du dojo, ça je me suis rendu compte aujourd'hui, il faut chercher des dojos pour trouver des techniques, après tu dois affronter des mecs, je sais pas quoi, elle est mis sur ses aussi. Ça. Ouais, c'est ça, plus tu joues, plus tu développes des coups, plus on passe, franchement. Mais comment tu fais pour rester du bon côté de la barrière aussi? Parce qu'ils disent que tu veux basculer entre Yakuza et si tu peux devenir un mauvais. Il faut finir l'histoire du bon côté de. C'est ça, il faut que tu continues ce scénar. Ah bon, comment tu peux passer du côté de la triade, quoi? Je sais que t'as fait, il y a un truc un peu. Du seul Brésil, bon, je pense que... Ouais. Non, c'est selon tes actes. Il disait que c'est selon tes actes. Logiquement, c'est selon tes actes. C'est pas un petit sport que ça va déterminer comment tu finis à la fin, quoi, en fait. Tu comprends? Un peu comme Heavy Rain et des trucs comme ça, quoi. C'est selon ce que tu fais dans l'histoire qui fait la fin, quoi. Et voilà, moi je pensais que ben, tu l'as fini ou pas ce jeu ou pas? Tu l'as fini ou pas? De quoi? Tu l'as fini ou pas ce jeu? Tu l'as fini ou pas ce jeu? Ouais, c'est une deuxième jeu, je l'avais fini. Ben, je voulais savoir comment on fait pour rester sur du bon côté, parce que tu es obligé de faire une voiture plein de merde, quoi. Ah, mais là, tu vois, tu m'en parles, mais là, maintenant, c'est un peu dur de te dire, parce que je te dis, moi, j'y ai joué quand on l'avait offert avec le Facebook, c'était peut-être il y a 3 ans, 3-4 ans, tu vois. Tiens, Kubiak, tu viens la semaine dernière, là, on tombait en dessous du pont ici, là. Ah oui, c'est ici que t'es remonté, ouais. Alors, je te montre le chemin que j'ai pris. J'ai eu la chance de tomber sur le stone. Et regarde le chemin que j'ai pris. Vas-y, montre-nous. Le Becker, il connaît tous les endroits. Il peut te dire même... On peut trouver du stade, Becker. Il peut te dire. C'est pas engueulé, mais il nous le manque quand même. Il en est fier. Ah non, mais tu t'es demandé comment je t'ai monté. Ben voilà.
Ouais, bah ouais, ouais. Et voilà. Et après, ouais, mais il y avait des murs qui t'empêchaient normalement de passer. Quoi. Bah. Et ouais, en montant sur la bagnole, ouais, bah ouais, forcément. Ouais. Tu veux faire Titanic ? Allemagne. Oh la vache, bon, il envoie le boulet avec. C'est Eric qui était en pause alors. Ah non, Eric, non, non, on parle de notre enquête. Non, mais pas sur vous. Ah ouais, il y a un avion. Sur vous. Il y a un avion. Il y a pas de tourner autour là. Non, moi je reste dehors parce que. Sur la vidéo de la semaine d'avant, j'ai retrouvé le moment où Kepi et Kono est remonté sur le toit. Donc j'ai posté ça comme preuve que j'étais pas le premier à faire. J'ai décroché la remorque. Si c'était pas vidéo que je voudrais faire vraiment de l'argent. Oh, ah, non, mais... bien joué. Oh putain, le camion qui est... Oh, ça défonce tout ici. Le bordel. Oh, Black. Putain, Black. Je suis un véhicule encore, moi. Merci. Putain, Black. Maestrio arrive dans quelques minutes. On va pouvoir bientôt commencer. Ah, c'est cool. Pardon, je suis enrhumé. C'est cool. Je suis, Mais viens se réchauffe, viens se réchauffe les murs. Putain, mais casse-toi, c'était à poil, tu veux m'enculer ou quoi? Prête-moi ton gilet par balle. Fermel truie, fais attention, Fermel truie, disant qu'on est mort. Prête-moi ton gilet par balle, Omar. Non, regarde-moi. Prête-moi ton gilet, ton casque, au moins j'ai froid. Prête-moi ton casque. T'as froid, ouais, bah ouais, tu m'étonnes, t'as froid, tiens. Ah là, non mais là je serai encore plus froid. Hein. Attends un moment que je passe. Bagnole de psychopathe qui arrive sur ma gueule. Ah merde, je croyais que c'était Kubiak. Il est là Kubiak, il est sur le côté. Il est là. Hop. Hop là. Bah forcément question profite. La vengeance. La vengeance. Non mais chez Micron, ça a vu, c'est déconner la bouche et tout là. On me croirait dans un film de science-fiction, tu sais, genre Alien. Alien, carrément. Les plombs. Ah, c'est ça qu'il cherche à faire. Là j'ai plus rien moi, j'ai même plus lance roquette, j'ai plus rien. Mais je passe à rien. Ah bah faut que t'ailles à la munition. Ouais, j'ai plus rien, plus de... Bon, j'approche quelqu'un, je veux pas te flinguer, alors me flingue pas hein. Lance grenade, j'ai plus grenade. Me flingue pas, je te veux pas de mal. Je viens en ami. Voilà. Je suis un pote. Voilà. Je ne suis pas Claude Speed. Je viens en paix. Je viens en plein des armes. Oh oui, ça va être chaud. Ah, en bagnole, c'est plus chaud, hein. Bagnole de flic, en plus. Ah. Flic, ça va? Ouais, ça va, merci, toi. T'es un fond métal gear, le cœur, ici. Je disais, t'es un fond métal gear ces derniers temps. Non, me renverse pas, putain, mais pourquoi tu me renverses? Je vais pas renverser. Non, mais t'as failli, t'as voulu. Foiré. Je me pose la question, est-ce que la grosse pierre, ça peut servir de centre, hein? La grosse pierre en bas, bah. T'as qu'à essayer, hein. Tu vois la blanche, là. Ouais, je la vois, la grosse, là, ouais. Je vais essayer. Allez, hop, là. Allez, hop. Je vais le faire en voiture, aussi. Oh, putain. Oh, putain, non. Non, non. On peut pas monter dessus. Non, elle est trop verticale, là.
T'as pensé à lever le nez de ta moto? Bah ouais, mais bon, ça a pas suffi là. Là, là franchement, le changement de. Oula, 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 j'en ai peur. Ah ouais, mais t'as pris l'autre, toi. Toi, t'as pris l'autre, moi j'ai pris le gros à côté. Oh, putain, oh, une voiture qui dévale la pente, c'est génial. Je vais essayer, moi. Je vais essayer en motocross. Police, lâchez votre arme! Regarde, regarde ma chérie, il y a une moto qui va voler aussi. Ah bah je l'ai tuée en légitime défense, alors elle pourra pas regarder. Ah putain, je me suis tué. Elle a osé tirer sur un officier de la des forces de l'ordre. Ah là là, pas cool. Ah l'autre elle me pique ma moto. C'est cool ça. Alors est-ce que Maestrio est connecté? Oui, je vais pouvoir l'inviter. Ah non, elle s'est cru où? Elle me pique ma mob. Ouais, j'ai posé les trucs, j'ai une étoile. Ouais, plus que des étoiles. Bon, abuse de suite. Ah, quand même. Oh, mais disons, j'ai réussi à traverser avec une moto. Une double kill. Qui essaie d'exclure Kesti là? Quelle maîtrise, mon colo! Ah, un randonneur! Ah, un deuxième randonneur! Putain! Pour grimper là. Allez, allez. Ah tiens, une citerne. Non, Blacker qui découvre quelque chose dans GTA. Ça ferait un bon point de snipe, non? Ce que je suis en train de faire. Merde. Là. Il fait une balle. Allez, on voit comment on voit. J'ai plus de balle. C'est pas mal. On voit le pont. Ah, je vois qu'il y a... Non, non, tu me vois pas. Oui, bien. Aïe 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 aïe. Oh putain, je suis mal. Je vois pas moi. Tu vois les impacts, Toub? Ah ouais, ouais, je viens de voir un impact sur le toit, ouais. Ah, il y a un véhicule cible. Ah ouais. Arrête, Blacker, bordel. Je vois pas moi, il est où? Il y a pas que moi, il y a aussi Ike. Hein. Ah ouais, mais je sais pas où il est. Ah, il est là, ok. Non, non, je suis nulle part. Je n'existe pas. Ah, allez, on est plus si loin, c'est pas évident. Hein. Pas du tout, non. Ah, c'est qui ça? En moto. J'ai pas écrasé le flic, non, j'ai rien fait. Pas trop loin. Ah, quand ils sont trop loin, tu vois que le véhicule, c'est marrant. Ah, tu vises le véhicule au pire. Mais j'abuse, les filles. C'est Girl Slim, ok. Ah, c'est pas évident. Hein. Disons qu'il faut anticiper, quoi. Ouais. Et le point est tout petit. Je le vois plus. Ah, il est pas le snipe lourd, ça. Elle est derrière la maison. Elle est derrière. Non, oh, Becker, c'est pas drôle. Ah, c'est ce qu'il fallait faire, hein, le véhicule qu'il est à détruire, techniquement. Il a je croyais que j'allais ramener chez Simeon. Non, c'est celui qui est en vert, celui qui est en rouge, faut peut-être détruire. D'accord. Même la grenade, elle explose pas, quoi. J'envoie une lance-missile, ça explose. Mais non, mais on se rend compte, quoi. La lance-roquette, ça marche.
Même pas drôle. Merci. Prends la pause. Les garçons sous le pont, c'est ça? Avec une arme. Ah non. Ah, j'ai trouvé. Oh putain. Oh putain, regarde Garfield en bas là. Elle est où? En bas. En bas dans les rochers au pied du pont. Ah, elle a disparu. Au-dessus ou en dessous? Elle a disparu. Je la vois sur la carte, mais je la vois pas. Casse-toi, le camion pourri. Elle a noyé sa moto. Non. Elle a descendu sa moto, je peux plus la sniper. Mon maestri de devrait être tardé. Ah merde, la police. Merde, il est. Putain, mais c'est la chance. Ah merde, à toi. Oh, ils arrivent même pas à monter. Non mais vers nous. Ah bah y'a un avion de chasse, oui. Ouais, c'est moi. Viens là, ici, viens. Le... Oh non. Le... Il est à côté. Aïe. Ah, il s'est suicidé, le paquet. Ah oui, bien sûr. Aïe. Allez, maestrio, dépêche-toi d'arriver. Il est quasiment moins. Le voilà. Ah, le voilà. Salut. On va pouvoir lancer direct comme ça. Aïe. On perdra pas de temps. Putain, j'ai même pas le droit de marcher. Mais Brika, elle est invisible sur la carte aujourd'hui. Oui, non, c'est toi qui est invisible. Oui, c'est moi, c'est invisible. C'est marqué invisible sur le radar. Mais Becca, elle est invisible aussi. Hein. Non. On a dit oui. Mon père. Tu es où alors sur la carte? Non, non, c'est sur la carte. Oh putain. Invité. Ok. Ok. Alors. Putain, pourquoi j'ai pas affiché les joueurs? Affiché les joueurs. Là, c'est sûr, si là, si on tombe, on peut pas remonter. Ouais, c'est pas de ma faute. Maintenant, j'ai jamais dit que c'était de la tienne. C'est qui a fait de chier? Hey, Watif, Int et Coco, qu'est-ce qu'ils font encore, ceux-là? Ah,
Et mon frère, il fait quoi, là? Alors, j'espère qu'on va pas avoir les mêmes problèmes que la semaine dernière. Ah, je sais pas. De connexion. D'avant. Tu tombes, tu mets. Ah, cool, encore un sim autorisé. C'est vrai, il y a comment en vacances aujourd'hui? C'est vrai, excusez-moi. Fallait que je le place, fallait que je la place celle-là aussi ce soir. T'es en vacances, enfoiré. Qu'est-ce qu'il fait, Wattim? Qu'est-ce qu'elle fait, pardon? Ouais, putain, j'aimerais bien être en vacances moi aussi. Voilà, si j'ai vacances, mais j'y vais pour l'instant. Bah, demande à sa soeur, elle doit savoir où elle est. Va chercher dans sa chambre. Bon, quelqu'un peut aller chercher Wattib. Ouais, mais il fout ton frangin. Je veux qu'il y ait des pop-corn. Donc, ça y est, j'envoie un message. Je sais pas qui c'est qui fait ça. Au pire, tu quittes, tu vas le chercher. Bon, il y a Black Air qui est quitté du coup. Des pop-corn au caramel. Ah, Black Air est parti le chercher. Ah, bah voilà. Ah, voilà. Maintenant, c'est Black Air. Même Black Air, il arrive à directement à côté de la personne, t'imagines? Bah alors Jean-Pierre, t'avais pas vu qu'on était tous barrés? Bah voilà, il était pas correct. Mais voilà, il était pas correct quand je suis ressorti donc. Ouais, il a des soucis. Ah, ouais. Du coup. Ça marche, ça bug. Ouais, voilà. Oh. Et ça recommence. Est-ce que Hec il est là ou pas? Bah ouais. Il est là, ouais. Ce soir. Je sais pas, j'ai pas entendu. Qui? Bah si, c'est écrit Hôte là, tu vois, c'est... Je m'appelle Hôte. Excusez-moi, monsieur Hôte. Ah bah voilà, on va pouvoir y aller. Alors, 11, c'est pas un chiffre pair. Ouais. Bah oui, mais bon. Avoir une équipe désavantagée. C'est ça le problème, c'est que je sais jamais si on est pair ou impair. Bah oui, c'est clair. Gemenus, il pouvait pas venir? Bah non, apparemment non. Ouais, c'est dommage. De se défendre, bonsoir avec tout le monde, c'est Maestrio. Salut. Retardataire. Excusez-moi pour le retard et un grand merci de m'avoir attendu, c'est adorable. Bah oui, c'est tout naturel, t'inquiète. Je vous laisserai bien le téton droit, mais vous êtes trop bien. T'inquiète, le curieux, on se doute bien. Allez, merde à tous. Ouais. Oh, Kenny, oh putain, ça va être chaud. Non, mais dans la même équipe, ma chérie. Non, bah, bon, dans l'autre. Oh là là. Bah, attends, j'y vais. Vite, monte dedans. Vite, monte dedans. Je t'ai protégé. Oh là là, non. Putain. Ah, t'es suivi par un Kenny bon, bah, rouge. Je crois que je vais mourir. Je sais pas par qui. Putain, on n'a pas de ah, parachute. Ma BKB, il est directement tombé. Bon bah là, au moins, c'est sûr qu'on meurt. Non, je suis pas mouru. On est dans la zone. Bah oui, on est où la zone? On est en haut. Merde. Comment tu fais pour monter là-haut? Non. Non, je ne tomberai pas. Je suis tout seul. Cool. Ah, non. Non. Raté. Ah merde. Mais pourquoi ils sont tous contre moi? Non. Oh, ah non. Oh putain. Ah mais c'est pas vrai. Ouh, li, la, ouh.
en bas tout seul. Là, là, là. Je suis du golf. Ça me tue même pas. Dans l'eau, je peux respirer, c'est cool. Merde. Bah voilà qui commence bien. Eh merde, où t'es sauvé. Tiens, il y a chez quelqu'un. T'as quand même réussi à écraser quelqu'un, Blucker. Non, t'as tabassé. J'ai tabassé Gorsim. Ah oui. Ah bah d'accord. T'es sorti de ta voiture, mon gars. Bah, j'étais en bas, moi. Je l'ai fait sortir. J'ai tout sous ma voiture. Ah oui, d'accord. Non, tu causes. J'ai dit ce que je pense. Bon, bah, deux manches gagnantes. Hein. Allez, on va essayer de se rattraper. M'a bloqué. Non mais t'as vu, je vais pas recommencer. Monte. Oui. Je non, Coco, y'a pas moyen. Non, 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 pas moi, pas moi. Oh putain, c'était chaud. En difficile. Non, non, non. On est ensemble, hein. Les jeunes qu'il faut pousser. Ah mais. Ah oui, merde, c'est les autres. Désolé. C'est grave. Bloqué là, qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah voilà. Allez! Ah oui, merde. Merci! Allez, allez, allez! Ah non, pas non! Allez, Coco, au revoir! Oh putain, Coco, il a pied! Lâche pas de bol. Oh, non, putain. Tu sais. Allez, allez. Allez, au revoir. Merde. Non, 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 non. Allez, allez. Allez, allez, tu vas tomber où? Ah non! Oui! Anne. Ah bah voilà! C'est moi? Oula, oula, oula! Tu me regardes, moi? Oula, pardon, mec! C'est pas grave! C'est bien que j'essaye de pousser les jeunes là! Bah j'essaye aussi, mais c'est tendu! Putain, avance pas, ma chignole! C'est clair, ça pousse à rien. Et déjà Blecker fait tomber. Oui, je l'ai fait tomber tout à l'heure. Oui, allez, allez, Koubiak, allez, on peut le faire. Ouais, on va se le faire. Allez, on va se le faire. Ah, fais gaffe derrière, il y en a un autre qui pousse. Oh, oh, il y a Coco qui est tombé. Il y a Coco qui est tombé. Oui, on va se le faire. Ah, ah. Il reste qu'est-ce qu'il est maïs trio. Allez, on se le fait maïs trio. Allez, on se le fait. Bah, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est ça.
oulala. Putain, mais ça saute. Non. Merde. Non, en voulant pousser, lui, je t'ai poussé. Putain, tu m'étonnes. Oh merde. Oh merde, t'es tout seul, mec. Non. Ouf. Non. Ah non. Ah, la coco qui était là, putain, j'ai voulu le tuer. Ah, il s'est tombé aussi, mais... Ah ouais. Fais chier. Plus personne, là ouais. Ils sont que tous les deux là-haut. Ouais, on dirait bien, ouais. Ils sont encore là-haut. Ouais. Non, faut attendre 30 secondes. Allez, ouf. Noyade. Il faut sortir de la bagnole pour se noyer. Ah ouais? Non, je me noie là. Ah non, c'est ma jauge de machin. Ça va être la belle, hein? C'est un partout. J'étais où? Bah, je suis tombé du coup! Non, c'est perdu. Justement, j'avais pas compris, hein, mais puis on est plus là. S'il y en a qui baillent, moi je veux. S'il y en a qui se permettent de bailler, moi je vais commencer à me gratter les couilles, hein. Excusez-moi, je veux le dire. Non, je suis pile, désolé, mais quand même! La vidéo va passer sur YouTube! Tout le monde va croire que c'est un gros pervers! Même si entre nous on sait que c'est déjà le cas. Tu te grattes les couilles avec ton nez. On se reconnaît. Bah on va plus. Ouais, je dois y aller. Oh okay. Merde, déjà. Bah, ouais, bonne soirée, bonne nuit. Bah, toi aussi. Ah merde, c'est dommage qu'on aille si tôt, c'est pas fini. Bah, bonne soirée, ouais, Flynn. Ouais. Salut. A plus. A très vite. Ouais, bisous. Ah, comme ça fait égalité. Ah enfin, oui, là du coup on sera équilibré, oui. Ouais, c'est sûr. Là, il s'en va tôt à chaque fois, Flynn. Je sais pas, il travaille peut-être tôt aussi. Ouais. Donc c'est l'objet. Bah, c'est toi. Bien quoi, hein, s'il sait qu'il va travailler tôt. Oui, je m'excuse, je suis pas dur. Ah. Bon, j'ai pas acheté de popcorn ou pas encore? Ça fait un moment que j'ai les popcorn. Canal au dôme. C'est bizarre, on se touche jamais quoi, c'est dommage. C'est tout à l'attente, on devrait se toucher un peu. Oh non, grattage de couilles, se toucher, c'est bon au bout d'un moment. Ouais, c'est clair. Mais attends, j'étais à balade au petit coco. Attends, je te coupe. Oui, oui. Il n'y a que toi qui vois un truc de cochon, on veut pas un truc de cochon là-dedans. Oui, oui, on se fout. Oh, arrêtez 5 minutes là. Oui, tu me comprends, Il dit des choses, mais il pense jamais aux conséquences de ce qu'il dit. Putain, c'était chaud sous le ponton là. Il n'y avait rien de cochon dans le fait que je me gratte les couilles. C'est juste que j'ai des mormates, quoi. C'est charmant. Oh, non. Mike, c'est dans l'eau, Mike. Ouais, je sais.
Ah oui, c'est de l'aéroglisseur. Ah oui, c'est cool l'aéroglisseur. Tu m'étonnes, c'est ce qui manque dans le jeu. Il y avait des cheats dans les vieux GTA qui permettaient de partir en aéroglisseur avec n'importe quelle bagnole. Oui, ouais. Ah oui, exact. Ouais. Ouais. T'as les roues qui se mettent à l'horizontale et hop, tu pars en mode aéroglisseur. C'est trop bon. Top, c'était le tank. Ah oui, en tank, ouais, c'est bon ça. Ouais, c'est pas en mode aéroglisseur, c'est pour voler seulement. Va, faut sauter sur le... Ah oui, d'accord, fallait... Ah merde. Oh, ah merde, j'ai sauté un peu trop moi. Ah oui merde, ah d'accord, ah, bon ok. Pour moi c'est les deux points. D'accord, fallait sauter au-dessus de l'HP, bah fallait sauter. Putain non, ça y est, on rattrape tout, c'est dégueulasse. Moi j'ai fait le bah, ma chérie, c'est pas le rose là qui vient de voler là. Bah oui, bah oui. Ah t'as bien pris le saut toi. Ah, mais le tremplin il est à l'envers, c'est pour ça moi je comprends pas. Ah oui, il est à l'envers le tremplin, putain. Putain, mes cœurs m'ont explosé, c'est quoi ce bordel? C'est possible. Il est sans contact. Il a trouvé des mines. Oui, merde. C'est vrai, j'ai touché la lecture de l'essence, mais après, je sais pas si ça quitte. Comment ça fait ton compte pour exploser quelqu'un, blessure? Attends, et Bécheb vient d'exploser. Putain, mais comment vous faites, bordel? C'est pas mieux, c'est pas mieux. C'est mieux. On a des armes? Non, mais je pense que c'est une citerne d'essence à un niveau d'info. Ça fout que Bécheb, il en a marre de gagner, tu vois. Il essaie de mourir. Ah oui, d'accord, c'est la citerne de merde, là. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, d'accord. Pourtant, moi, je suis sauté par-dessus sans fait, problème, quoi. Si l'a fait exploser, ça marque comme si on l'avait tué. D'accord. Oh, putain, ça a fait faire couler mon bateau, ouais. Il a fait couler mon beau porte-avion. Ah, quand même. Mais toi, t'as plus de chance de deuxième qui passe à sixième. Mais bah, moi, deuxième, merci. Dans ton cul. Oh non. Ah non. J'aime pas la gauche, merci. Ah c'est ça qui gratte. Non, c'est les morbacs de coco. Ah, oh putain. Bah voilà. Oh il y a des questions. Ouais non mais je... Excuse-moi. Il faut aller où là? Ok d'accord. Des organismes vivants. Oula putain, il prend plein de ouf. Voilà. On cherche pas de là, c'est pas ça. Wouhou! Oh, encore une explosion. Comment ça tour 2 sur 8? Sérieux, il y a 8 tours? Non. Non, c'est un... C'est... Ah, j'ai échoué le bateau. C'est un parcours. Oh putain, je me suis coincé. Voilà. Oh, il y a encore une ferme de merde. Non! Ah bah ma chérie, tu fais du sable? Merde! Je suis bloqué! Non. Bah ouais, fiant! C'est pour tourner plus de façon plus pointue en bateau, c'est tu laisses appuyer croix. Ah mais non, mais les trucs ils sont à l'envers et tout. C'est fait exprès, c'est pour que tu bondisses. Mon dieu, l'arrivée c'est plus mal! Oh mon dieu! Ouh. Ah non! Ah merde, non! Je suis. Non, j'en reviens pas, putain. Oh putain, les boules. Oh, les boules. Ah non, c'est quoi, c'est pas. Oh putain, les boules. Putain, non, je suis vert. Moi, c'est... Putain, je suis coincé sur les pontons juste devant la ligne d'arrivée. Putain, c'est quoi ce merdier. Prendre le tremplin, en fait. Ouais, bah ouais, j'ai essayé, ouais, mais après le tremplin... Oh là là là, oui, bah oui, mais non. Ah non, ça marche pas. D'accord. Oh, j'ai chaud à l'arrivée, mon dieu. Putain, je suis arrivé. Non, non. Regarde, c'est une belle remontée, Maës. Comment tu fais pour passer? Bah ouais, bonne question, ouais.
J'ai fini combien? Penche en arrière et tu bondis à chaque fois. Et merde. Ah putain. Je te voyais. J'ai fait sur la tranche. Oh là là. Oh putain, la gueule. Allez, vas-y, 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 vas-y. Allez, t'y es presque. Ah non, je suis pas presque. Oh, j'ai pas compris. Ouais, bravo. Putain, mais par où fallait passer là? Ouais, j'ai rien compris non plus. Ouais. Putain, j'ai fait de micro pour rien du tout. J'ai perdu le temps pour rien. J'ai baissé la tête, tu passes en dessous. Même les trucs durs, hein. Ça là là. C'était Bécard qui a essayé cette course. J'ai perdu mon pari, moi. Non, ah bah non, je peux pas des courses une petite ordure que ça, moi. Je pourrais rester terre à terre, moi. J'aurais porté plainte, là. Il y en a qui n'ont pas aimé. Il y en a deux. Il y en a qui n'ont pas aimé. Ah non, je fais pas des trucs si tordus que ça, faut pas exagérer. Hein. Mais oui, c'est ça. Allez, Garclin, hein, on a quand même réussi à finir, on est à la dernière seconde. Alors là, dans moi, ça vaut le champagne. Qu'est-ce qu'il a fait celle-là? Le bleu, dans le nom. Il en a jamais marre de gagner, il en a jamais marre. C'est incroyable. Là, je sens beau, tu n'as pas envie de passer le flambeau pour une partie, deux parties, trois parties. Ouais, mais Coco, et lui il joue avec ses deux mains, toi tu te grattes tout le temps les couilles. Je vous casse une main. Le truc est. Joue avec tes deux mains. Mais non, mais ça, je le fais pendant mon temps libre. Hein. Je le fais pas pendant que je vais les deux mains. Tu me prends pour un mutant, hein. Je suis pas un mutant quand même. Un mutant. Ah, c'est bon. Un mutant de l'espèce. N'empêche, je trouve que donnez-moi tout votre argent. T'as fait une fixette sur mes morpions, pourquoi ça t'intéresse? À fond. Ah, j'aurais pas fait un mémoire pour les normes. Si tu voulais mettre un peu à tout le monde, j'ai pas eu le temps. Je peux t'en louer si tu veux, je peux t'en louer pour le week-end. Oh, super. Non, mais sérieux, je te les loue le week-end. Je te fais un essai, tu les prends au week-end, tu les gardes. Voilà, on peut dire qu'il n'y avait pas de course sans contact. Et bah voilà, hein. J'aime ça, moi, c'est l'humain, c'est un peu... Hop, merci, pardon. Oh putain, Coco, bordel. C'est le vent. Ouais, c'est le vent. Oh putain. Elle est trop belle, là. Attention, les gars. Oh putain, les gars, elle arrive à la droite. Oh putain, va t'en faire. Oh là là. Je l'ai réussi à passer. Il est passé. Ouais, je suis passé, moi. Oh, ah, merde. Ah, putain, Blécaire, c'est lui. Oh, merde, le tremplin, bordel. Quatrième. Putain, j'étais troisième. Non. Oh, là, je le sens mal. Non, putain. Faut pencher la voiture en avant, parce que sinon, tu peux pas passer. Ouais, bah ouais. Ah. Merde. D'accord, là, je nage dans l'eau. Ah, ça y est, je suis passé. Ah.
Elle est sauvage. C'est un Baker. Un Baker, ouais. Baker, tu gagnes pas, tu nous dois du fric. T'es en train de te doubler, t'as coupé la ligne. Moi, ouais, je coupe pas une ligne. Non, non, c'est moi. Attention, attention. Oh là là, le son de ouf. Wouah, wouah, wouah. Oh, oh, putain de cheminée de merde. Faut pas aller quoi. Non, ok. Qu'est-ce qu'on réapparaît là? Où elle est où? Ah ouais, d'accord. J'ai quand même eu le coup, hein, bah c'est cool. Je pensais... Ouais, voilà. Moi aussi, je pensais l'avoir loupé, mais... Bah ouais, moi aussi, mais finalement, on l'a eu. Cherché. Oh, putain de cheminée de merde. Ouais, on joue à surprise aussi. Vas-y. Au final, on va apparaître dans un endroit bien. Tu crois quoi? Oh, je suis passé. Ah non. Oh bien non. Hein? Eh, bravo, Bekev. Oh putain. Oh, je le retourne tout seul. Oh, qu'est-ce qui me double comme ça, là, t'as vu? Oh, j'ai failli te rentrer dedans. Non, 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 non. Heureusement qu'il y a Joli. Ah. Ah, c'est sûr. Ça change le classement, là. Plus. Alléluia. Putain. Mmh. On va prendre la course, Je préfère ça. Super. Allez, ma chérie. Pas elle est arrivée, elle est pas encore là, je suis sûr. Bah si, elle est pas loin. Ouais, bah si je fais ça, non, elle est devant pour moi. Allez, j'avoue. Ouais. J'avoue, t'en chies. Oula, ah oui, tu nous fais des jolies figures en tout cas. La voiture, si t'es parti les deux ou trois fois comme ça, j'aurais eu, je pense. Ah ouais, je pense. Ouais. Le freestyle trophy. Ah lui, pas du tout. Bah, c'était pas mal cette course en fait. J'aime bien les jumps de ouf qu'il y avait. Ouais, c'était pas mal la course quand même. Ouais, c'était pas mal. J'ai gagné par le jeu de freestyle. Bah, Garfield, t'as pas aimé? Parce que j'ai pas terminé. En moto ça peut être mieux. Bon. Ah, en moto ça peut être pas mal aussi, ouais. Ou en bateau. Non, non, en bateau. Non, je crois pas, non. Je crois pas. Le gars qui est encore dedans. Oh putain. En aéroglisseur. Capture. Capture the flag. On va pack. Capture. Ah, plutôt capture de voiture de police. Le car. The cop car. C'est du yo-yo. Ah, dommage. J'ai toujours dans une équipe où il n'y a que. On est plus. Allez, dommage. Prends, on est 5 et on est 6. Non, on est. Non. Attends, on est. Oh, Blaker est avec nous, c'est cool ça. Non, c'est 5 contre 5, si je raconte. Hein. C'est bon. Oh, mais ça va. Non, j'ai du. Alors, y'a qui là? Alors, est-ce qu'on a un véhicule, quelque chose? Ok. Donc des bagnoles là. Capturer le véhicule de police. La police.
Et bon. Personne n'attend Hiro. Simon. Oui, il y a pas une voiture là. Attends. Une voiture, ils sont où sur la carte? Voilà. Ok. Il n'y a pas eu assez de bagnole là, c'est bizarre. Il y a pas eu assez de bagnole. Putain, ils sont deux dessus quasiment, non? C'est lent ces bagnoles là. Ah non, 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 c'est bon. Normalement, non. Après, on a que le gaz lacrymogène, ouais. J'aurais dû changer de véhicule. De quoi? Non, il y a un autre chemin. Je sais pas, je suis le... Combien il a écrasé Coco? Comment il a fait? Baker a récupéré un véhicule, putain. Ah bah venant de lui, merde, venant de lui ça m'étonne pas. Bon bah connaissant Baker, il serait... Mais le truc c'est qu'il va nous attendre, non? Non, même pas. J'aurais pensé. Ah non, mais vu les armes qu'il y a, c'est pas la peine. Il a dû tenter pas le diable. Ah putain, ouais non. Mais il faut qu'on en capture 3, ok d'accord. Ça va, on est 4. Il en a un, putain, ils vont arriver avant nous. Ah. Oh merde, le véhicule il s'en va. Il en a pas d'autre. Bon, c'est bon, je crois qu'il est mort. Par contre, ouais, je sais pas quand est-ce qu'ils réparaissent les véhicules, quoi. Ah oui, bah écoute. Ça se trouve, il y en a que 3, et puis après, c'est le premier qui arrive à 3, quoi. C'est débile. Faites gaffe, hein, le fumigène, ça peut vous tuer, hein. Restez pas là-dedans. Je vois le micro bouger, mais j'entends rien. Ah non, mais il y en a que 3 à tous les coups. Ah, c'est essayé, il y en a un là qui est apparu dans la carte. Il est où? Il est là. Peut-être leur piquer à eux. Oh, mais c'est quoi ça? Oh, il part en sucette là le véhicule. On va peut-être bloquer l'accès aux autres voitures en mettant les voitures comme ça là. Possible, ouais, je sais pas. Allez, le tramway il bouge pas. Ah merde. Bah, le truc c'est que là ils vont arriver chez eux avant moi quoi. Ça sert à rien. En fait, au démarrage, il faut prendre une autre bagnole qui va plus vite. Ah, Hiro, il y en a trouvé une. C'est bon. Il faut en trouver une troisième et c'est bon. Ah oui, mais ils l'ont trouvé la troisième là, non? Bah non. On n'avait pas trois, hein? On en a deux, nous, là.
Oui, je sais, mais eux, ils en avaient pas déjà 3? Non, 2. Non. Parce que j'ai vu que Black Air en avait amené une. Je sais pas, ils sont venus tous les 4 et ils sont repartis tous les 4. C'est bizarre. Moi, je les ai pas vus repartir avec plus de 2 véhicules, mais je peux me tromper. Hein. Ah oui, bon, bah, c'est peut-être équilibré alors, du coup. Ah, merde, où qu'on rentre? Là-bas. Merde, mais comment on y va là-dedans hein? Je suis coincé. Et surtout, qu'est-ce qu'il faut attendre pour que... Ah, oh, merde! Putain. Où qu'on rentre dans ce machin, là? C'est là. Voilà. Qu'est-ce qui est arrivé avec ce camion? Là, vous en avez un nouveau qui est apparu ou pas? Ouais. Faut empêcher Blécar de la prendre. Recule avec le camion, Bien joué. Putain! Merde, Duroy, il l'a pris! Pas Duroy, qu'est-ce qu'il l'a pris? Bien joué, allez-y, monte. Non. Bien joué, Bekel. Ah, il va me faire chier, là. C'est bon. Ouais, Tib, il vient là. Allez, casse-toi, Bekel. Allez vite, faut se dépêcher parce que... Ah, il y en a une autre qui est apparue. Hein. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est dans le garage, non? Je vois sur le plan qu'il y en a une dans le garage. Ouais, elles apparaissent devant le garage, pas dedans, si. Non, je sais pas. Elle est au-dessus du pont. Ah putain, ouais. Ils l'ont pris? Ouais. C'est pas grave, attends, je suis sur la route, moi, pour la ligne, non? Donc si j'arrive avant, c'est bon. Ah, bien. Allez. C'est où? Y'a un mec qui sait où c'est le truc là? Y'a un truc à faire attention ou? Faut juste faire attention à l'entrée, ouais. Elle est pas évidente. Y'en a un qui m'attend là-bas. Hein. Faut juste... Ouais, y'a Heroi. D'accord. Ouais, mais je vais surveiller. Je pense qu'il était prêt à piquer les voitures pour les mettre dans le garage. Ouais, mais il va arriver là, c'est pas la peine, Bekel. C'est bon. Joli. Allez, vite. C'est où? À 2 secondes près, quoi. Je crois. Putain, c'est con, hein. Et c'est quoi ton camion? Tricheur, va. On peut même pas voter. Ça, c'est de la triche, moi. J'appelle ça de la triche, hein. Alors, les cours, c'est le mercredi soir. Quoi? Pour apprendre à livrer des voitures. Ah! Oui. J'aurais peut-être pas dû mettre 2 manches, moi. Ah putain, t'as mis 2 manches. Elle pourrait exactement être bagnole. 2 manches gagnantes en plus, donc ça veut dire que c'est eux qui gagnent là. Ouais, on va faire une 3ème manche. Ouais, on va s'arranger pour. À la rigueur, on peut partir à 2 dans une bagnole et prendre 2 voitures, mais il faut foncer. Ah ouais, attends, déjà le 4x4 là, il ira plus vite que cette merde là. Viens là, toi. Ouais.
Y'en a. Ah, arrêtez ce 4-4. Arrêtez ce 4-4. Oui. Bravo. Je vous laisse avancer de votre côté. Ah bah ouais, à 3 ou à 4 même. Hein. Attends, je te mets le repère. Putain, 3 km, bordel de merde. Coupe, hein, là-bas au bout. Ah, mais. Oui, il s'en va. C'est pas grave, voilà. Roule. Merci. Attends. Allez, roule, bordel. Presque. Ils y sont déjà ? Non. Blaker y est là. Ouais. Moi je suis juste derrière lui. Donc ça veut dire que t'en auras au moins une. Normalement. Ouais. Après je vois qu'il y a Heroi et Kesti là, ils sont coude à coude et nous on a Kubiak là. Ça veut dire qu'il faut les tabasser en arrivant quoi. Essayez de pas mettre les voitures devant, pas qu'elles se bloquent. J'ai bloqué Blaker dans le garage. Et il a quand même réussi à se faire barrer. J'en ai embarqué une, hein. Ok, attention, attention. Oui. Ouf. Ah, j'ai vu, attention. Ah, t'inquiète. Ah, t'es vu, t'es vu. Ah. Ils vont peut-être plus galérer à livrer que nous, là, pour cette partie-là. Le point de livraison il est plus compliqué que celui qu'on avait. Oh merde, pardon. Oh là là, oh c'est fantastique. Attends, ah. Tiens quoi. Putain, je con. Aïe. Oh putain mais... Oh putain. Non, 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 putain! Attends, j'arrive, Garfin. Ouais. Et on réparait au début, là, c'est ça? Ouais. Ah, oh, putain. Y'a un 4x4 qui arrive derrière toi. Putain, mais lui! Attends, je vais l'arrêter. Allez. Merci, il monte. Que t'as chié ton virage là, je crois, non? Oui, un peu. Vas-y, double à droite. Ah ouais, t'inquiète. Oh, c'est quoi ce bruit de
Non, moi je suis passé nickel chez moi. C'est où déjà le point? Oui, c'est là ou là-bas. Tac, il va peut-être falloir tourner à un moment donné. Tu peux me mettre un repère, s'il te plaît, Garfin? Parce que là, du coup, il m'a remis sur l'autre point et ça me fait chier. Je vais le mettre sur le Heroi, mais. Non. Ah ouais, c'est bon, là, c'est bon. Non. Là, c'est derrière. On recule un peu, toi, sur le point, parce qu'il y a pas tout. Non plus. Heroi, t'as un véhicule qui a apparu. Ah. Tu le vois? Attends, bah, de toute façon, je le suis. Ouais, je le vois, mais il y a... Il y a... Il y a... Attends. On va foncer dans le tas. Le cœur. Le cœur qui a arrêté le drone. Bah, mais il l'a pris Black Air, mais comment il a fait? Je sais pas. Bah, à part le drone, c'était des fonds directs téléportés. Carrément, les enfants, ils disent. Putain, elle est morte cette bagnole, elle fait chier. Tu vas sortir, oui. Comment il fait? Reste appuyé sur triangle. Ah, quel enfoiré. Like, vas-y, fonce. C'est ce que je fais. Même si à mon avis c'est mort, mais... Allez, 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 vite, 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 vite. Non, non, putain, non, mais comment il a fait? Oh putain. Oh merde. Oh non, ça va être la belle maintenant. J'aurais pas dû mettre de manche. Oh, la belle. Ah oui. Un peu trop loin. Regardez le même. Alors... plus rapide dans le coin là. Là il y a une voiture là, non? La vraie question c'est de savoir s'il y a un véhicule là, ralent. Ah bah pourquoi ça t'a viré? Ah bah je pensais monter à deux dans un véhicule, mais bon. Pégase, ça. Ça va aller vite. Oh putain, bon, non.
On peut pas. Non. On peut pas quoi? Appeler Gario. Merde. Trompé de route. Ah putain. Je me suis coincé. Attends, j'ai essayé de remonter. Voilà. Allez, mais putain, véhicule de merde, mais c'est quoi ça? C'était celui qui est arrivé en premier. La guerre. C'est ça? Suivi de. Ah, bien à vous. Ah, bah non, c'est maïs. Oui, question. Ok, c'est bon. Ah, bah c'est question. Hop là, on est reparti. Attends, quel con! Ah, quelle chose! Ah, je vais le proposer, les gars, c'est super, mais je déraille. Allez. Ah putain, viens là. Ah bah trop tard, non, on arrive en train. Mais laissez pas en prendre, hein. Enfin, faites le maximum pour. Ah bah voilà. T'allais faire quoi, t'en prends ma bagnole? Microvita, j'ai un problème. Quand t'es capturé avec les paramètres de la PS, de la manette PS, c'est pas bien que tu te trouves. Premier véhicule livré. Bravo. Allez, on y va. Mais non, putain, mais non! Putain, mais sérieux! Putain, mais je monte dans le véhicule et l'autre il a le temps de le prendre, quoi. Ça me saoule. Ouais, non, faut pas couper leur véhicule, non. Ouais, non, ouais. On peut même pas leur couper leur véhicule. Putain, mais je monte dans le véhicule et l'autre il arrive à le prendre en 2 secondes, ça me saoule, ça. Merci, Coco. Med. Vas-y, Eric, fonce. Ah, mais je monte dans le véhicule, Black Air, bouf, direct, quoi. Putain, c'est saoulant, ça. Heureusement qu'il n'y a pas les flics en plus, hein, parce que... C'est clair. Il y a un nouveau véhicule qui est apparu ou pas? Je sais pas, là, je suis un peu... Je pense qu'il faut qu'il y en ait une des deux équipes qui le livre pour que ça réapparaisse. Ouais. Moi, je suis à 600 mètres, là, je suis presque arrivé. Ça marche. Ah, bah Black Air aussi. Il y a un véhicule. Allez. Normalement, il devrait y en avoir un deuxième bientôt. C'est bon, je le prends.
Il devrait y en avoir un deuxième bientôt. Réveillez. Mais merde, putain, casse-toi de là, toi. 3, 2, 1. Normalement, c'est bon, là, non? C'est bon, je sais pas qui est-ce qui était dans le camion, là, pour bloquer l'autre, mais c'est super, une bonne idée. Ouais, par contre, il y a un deuxième véhicule, là. Bon. Allez, vite, faut se dépêcher de livrer. Putain! Faut se dépêcher de livrer celui-là, mais il y a Coco qui me met la pression, là. Ouais, fais gaffe, parce que quand tu montes dans le véhicule, t'as intérêt à foncer direct, parce que... Non, non, t'inquiète, je suis parti, là. Je suis sur la route, là. Ouais, mais il y en a pas un deuxième véhicule, là, qui a apparu? Ah, si, 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 bon. Si, mais maintenant, il faut se manier de... Ah, Bekeb, il l'a pris. Ouais, cool. Attends, je vais essayer de les coincer, eux. Ouais. Normalement, ils sont baisés, mais il y en a un qui m'attend à l'arrivée, là. Merde. Il y a Blaker qui m'attendait sur la route, hein. Tu te fais gaffe, Bekev. Gaffe, ils arrivent dans notre base, ouais. Oh merde. Mais bon, livré. Joli. Bravo. Ouais. Ouais. Bien joué, les gars. Merci. Bravo à vous. J'ai pas entendu bravo, Maestrio, là. Ouais, bravo. Bah bravo. Bah bravo, Maestrio. On était des adversaires, donc on va pas te dire bravo, hein. Ou tu pourrais. C'est ce qu'on appelle être seigneur. Voilà, être, avoir du fair play. Et quand je t'ai vu passer en voiture et que j'ai vu que tu roulais vachement bien, j'ai dit la vache, Coco, qu'est-ce qui conduit bien? Je fais de mon mieux. Ah ouais, c'est pour ça que je l'ai dit. Hein. Parce que tu m'as pas entendu, mais je l'ai dit. Hein. Je fais le plus souci. Eh, écoute, on n'est pas tous James Bond quand même. Hein. On n'est pas tous James Bond, il n'y a qu'un seul. C'est tout. On a le droit aux armes ou pas? J'ai pas fait gaffe. Non. C'est quoi le mieux, le BMX ou l'autre? J'allais dire on a le droit aux... Moi j'ai pris BMX. Allez, BMX. Est-ce que tu peux sauter avec? Il faut sauter. Ouais. Comment on fait pour sauter avec le BMX déjà? Terrain. Black Air a quitté la partie. Ah, on a perdu Black Air. Ah, merde. Ah, voilà, on a tout le monde peut gagner là. Hein. Non, mais c'est une chance. Moteur, mais c'est là, comme par hasard. Bah, je vais l'inviter. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu es plus là, merde. Ah, Gerslim aussi? Ah, beaucoup, ah, ah oui, merde, putain. Voilà, c'est... Ah, bah, je suis mort. Ouais. Ah, merde alors. Ah, on a perdu Garcin. Ouais, j'ai vu, ouais. Ah, merde. J'ai réinvité là. Ah. Normalement, ils vont être en spectateur. Ouais, ma chérie, t'as réinvité. Avec. J'espère que ça va pas faire comme la semaine dernière. Ouais, j'espère aussi. Oh là là. Ils vont se retrouver coincés ou je ne sais quoi. Non.
putain, c'est quoi cette course de merde? J'aime bien, moi j'aime bien. Ah merde, loupé. Faut sauter avant, hein, oh, sur certains sauts. Ah putain, loupé encore. Putain, qu'est-ce qui m'arrive? C'est une horreur. C'est clair. Putain. Mais c'est pas R1 pour sauter en fait. Normalement si, alors à moins que t'aies changé tes paramètres de la manette. Non, c'est L1. Ah bon? Bah moi c'est R1, ouais, tu vois. C'est R1. Ah ouais. Je sais pas. Peut-être que t'as changé les... Non. Bah non, normalement j'ai rien changé. J'arrive. On a Girl Slim, normalement. Ah ouais, c'est R1. Bon, elle est pas bloquée comme la semaine dernière. Oh putain, non. T'es en spectateur, ma chérie? Elle est trop bien, la game. Ouais, elle va y arriver. Là. Ah, voilà, regarde la partie. Oh la vache. Donc, il manque Black Air. Bizarre qu'elle soit arrivée avant Black Air. Ouh. On l'invite avant. Ah, c'est merde. Quoi, encore cette course de psychopathe. Oh merde. J'adore. Et puis ça, y a... Ça, y a du... On a le temps pour faire des sauts, quoi. Ah d'accord, c'est pareil. Non. Et la course de dingue, ma chérie. Tu me regardes, moi, là. Voilà, ouais. Ouh. Wow. Ah bah oui, d'accord. Oh merde. On fait la même boulette. Ah mais je l'ai quand même validé. Cool. Ah au moins, ouais. C'est un bon petit show, ça. Allez. Non. Oui, je l'ai eu. Ah, oui, je suis obligé de réapparaître. Oh putain, je suis coincé. Putain, je fais quand même que je suis deuxième. Ah bah voilà. Yeah. Bah non, putain merde, j'ai réapparu pour rien. Ça a pas duré longtemps. Oula, d'accord. En haut. Allez, pédale. Pédale. C'est qui me pédale? Ah ouais, c'est pareil. Reste pas devant sur le point, c'est de la merde quoi. Allez. Je suis coincé. Ah non. This is the rhythm of the night. Oula, non, pas non. Eh oui, j'avoue. Yes. Putain, je suis encore deuxième. Bien sûr. Ah merde. Voilà. Ouais, bah c'est pas comme ça que je vais sûr. Ah ouais. C'est chaud aussi. Ah non. Ah merde. Ah, mais qu'elle a fini déjà. Merde, putain, j'étais prêt. Ouais. Je me sentais trop tôt. Ouais, c'est fait. Rhythm of the night. This is the rhythm of the night. Allez, putain, mais pourquoi il a pas sauté? Bah, ouais, je sais, mais bon. Comme Tony Hawk, en fait, faut laisser appuyer et relâcher. Ah, bah, d'accord. Mais c'est par en bas. Merde. Ah non. Ah bah je peux pas répondre en même temps que je veux. Hein. Allez. Putain, j'étais pas sur le truc. Il y a un saut qui peut pas. Ah oui, je sais, j'ai vu. Fais chier. Puis je réapparais sur une barrière. Allez, oui, c'est la bonne cette fois. Oui. Oh merde, putain, je suivais. Saloperie de course à la fin. En fait, j'ai bien fait de prendre la faire. Putain, bah oui, je te dis, tu serais énervé. Ça me paraît évident. Comment je vous ai blousé. Ah oh, mon dieu, oh la somme, je passerai pas. Oula, encore un tremplin de ouf. Oh, c'est la fin là. Faut passer par en bas à gauche là.
Allez. Non. Non, putain de merde, j'ai voulu faire un grind. Non, mais Théo. Foiré. Allez, meurs pas. Oui, oui. La tige, oui. Ah oui. Ah non, t'es pas obligé de le dire. Ah, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Ouais, je t'ai entendu, ouais, il fait pas comme ça. Hein. Dis-moi ouais, quand je suis là. C'est quoi ce dinosaure? Oh putain, colonel! C'est le Koubiakosaure? Exactement! Ah, je suis désolé. Je l'entends celle-là. Ton pseudo, tu l'as choisi à cause de Parker Lewis? Ouais, exactement. Enfin, je l'ai pas vraiment choisi, c'était quand j'étais en internat, il y a longtemps de ça, quoi. Je faisais ma première à ma terminale. J'avais mes potes de là-bas qui m'avaient surnommé Koubiak parce que je mangeais beaucoup, j'étais grand et puis j'étais un pose. Et puis, d'accord. Et depuis, c'est resté. On a récupéré Gerskin Blacker. Je fais 1m95 pour 105 kg, donc tu vois, belle bête. Quoi. C'est qui la grosse bête? Ah, c'est Koubiak. Enfin, c'était Koubiak. Ah, ça l'est toujours. Ça. Même encore pire maintenant. Ah, parce que Gerskin Blacker fait des bombes tout le temps, pour ça. Non, c'est pas pour ça. Non, on peut pas dire qu'elle soit un gros cordon bleu. Enfin, pas pour l'instant. On va regarder Top Chef. Oh tiens, course de suive, j'ai envie. Oui, là, on parlait des copains en cuisine. Oh. Alors, est-ce qu'on va perdre personne? Merde. Allez, je vais parier un peu sur tout le monde. Allez, à votre sens. Ouais, mais c'est quoi ces bagnoles pourries là? Allez, on y va. Ah oui, on sent qu'il y en a qui ont du plus de... Wow, ça y est, ça commence. Non, elle tourne pas cette bagnole. Ouais, mais t'as une voiture modifiée de l'écart, c'est dégueulasse. Comment t'as volé, ma chérie, alors là? J'ai pas compris, là. Désolé. C'est très beau, aussi. Vas-y, toi, tu fais des courses freestyle. Ouah. Oula. Wow. Oh, moi aussi, je fais des putains de bruit. Il y a encore un tremplin, oulala. Non, ça va, mini tremplin. Oh. Oh. Ah, ça y est, on entend. Ah bah oui, on se demandait, on entendait plus de cœurs. Ton micro qui était déchargé? Non. Mais non, il a été éjecté. Il a chargé après. Il avait rechargé le lendemain de la soirée de la semaine dernière et vu que c'est pas que je l'ai vu pas. Ah d'accord. Oh mais putain. Oh, je sais pas, ça t'a vu. T'as eu chaud, Ike, non? Désolé. Hey.
Ouais, j'ai pas les roupillés. Oh putain, mais... putain. Oh, ça c'est même là parmi les conteneurs. Je suis en train les Batman de 1990. Tu connais combien les Batman de 1990? Bah oui, c'est le meilleur avec Jack Nicholson dans Joker. Ouais. Non, américain, il était le... Bon, ça compte sur l'américain, mais bon. Le Batman de 1990. Ah, on a perdu Black Air encore. Ouais, bah putain. Le Batman de 1990, la version animée, les dessins animés. La version animée, la version animée. Ah oui, oh bah c'est pareil, ils sont très bons, très très bons. Ils sont très très bons, ouais, j'ai connu, j'adorais les regarder quand ils passaient quand j'étais plus jeune. Je crois qu'ils passaient sur France 3 à l'époque. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Bonne mémoire. Ah, je peux pas Black Air, là, je conduis. Avec ça, je vais pas regarder la zombie. Mais je suis déjà au deuxième tour. Non, je l'ai pas vu passer. Tu as regardé la fin de la saison 6 de Walking Dead, Coco? Non, pas encore. Non, vos gueules, vos gueules avec Walking Dead. Hein. Ah, bon. Il se passe un truc de ouf à la fin. Arrête, un peu trop coupe, non. Non, mais j'ai pas dit quoi. Je dis juste qu'il se passe un truc de ouf. Ah oui, 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 oui. Non, 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 on s'en fout. Bah moi je m'en fous pas, vas-y, raconte. Non, mais je suis pas un spoiler, moi, t'inquiète. Je... Ah, contraire, mais je rigole. Voilà. C'est juste pour savoir si tout le monde l'avait vu. Maintenant que je sais qu'il y en a plein qui l'ont pas vu, bah voilà, je veux pas spoiler. Ah, tu l'as regardé en VO alors? Bah ouais, je l'ai regardé en VO. Ouais, ouais, les séries, je préfère les regarder en VO. Ah, c'est bien. Les animes aussi. Il n'y a que les films que je regarde un peu en VF, mais si j'ai l'occasion, je les regarde en VO aussi. Ouais, ça fait ah, travailler, ça fait travailler l'anglais, ouais. Voilà, c'est travailler l'anglais, et puis c'est la vraie vision de l'auteur. En plus, c'est le vrai jeu d'acteur. Ouais, le jeu d'acteur aussi. Ouais. Après, c'est les jeux de mots qui sont pas forcément faciles à traduire. Bah, pour les séries, c'est quand même le jeu d'acteur. Après, pour les animes, c'est la vision de l'auteur. Le mangaka qui a choisi lui-même les acteurs. Je crois que je t'ai bloqué avant la fin. La voix. Je préfère mille fois comme ça. Ah non, 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 Mathieu, non, encore une fois, juste avant la fin. Putain, mais il me dégoûte, ce mec. Moi aussi, je t'aime. Juste avant la fin, tu me doubles. Je suis vert. Putain, ça fait l'aspiration, là. Ah, écoute, là, là, là. Tu m'as inspiré avec ton truc, là, je te jure. Ah, t'as vu ça, hein, je t'ai inspiré. Ah, moi, t'étais un poète, là. Alors, du coup, je me suis senti inspiré, je suis parti. Alors, pareil. Ça va être beau. Je crois que j'ai doublé juste avant la fin. Bon. T'as de la chance, je suis cinquième, c'est mon chiffre. Ouais, c'est ça. Oh là 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 là. Une fois que ça change. Ah, GG, ouais, pour une fois je l'ai doublé juste avant la fin, le pauvre Castille. Regarde les Alors, 621, 732. Ouais, c'est ça. Oh là là, c'est beau ça. Eh, mais Jean Bucquin nous avait parlé. Bah non, et bah oui, mais il a quitté. Oh là 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 là. Ah, tiens, je le vois sur le tableau à la place de Gerslim. Ah ouais, moi aussi. Bah non, moi je vois ma place. Ah ma chérie, tu t'appelles Baker 62? Non. C'est bizarre. Alors attends, je vais le... Ouais. Je vais le réinviter. C'est bizarre parce que je l'avais fait normalement. Il va être dégoûté, il pourra pas être premier. Eh, Koub. Oui. Est-ce que t'as vu que Star Wars épisode 7 était pas changé sur zone téléchargement? J'aurais dû... non, bah ça fait un moment que j'ai vu qu'il était, mais il est en version québécoise. J'aurais dû mettre en affrontement normal. Mais... Ah non, non, non. Ça y est, ils l'ont mis en True French. Ah non, en True French et tout, ouais, ouais, c'est sûr. Ah ouais, bah je vais le retélécharger alors. Ah, il faut que tu... Faut que t'aies une clé ou un disque en NTFS parce que c'est du Blu-ray, mais Ouais.
Ah ouais, mais ouais, franchement, c'est pas mal ça. Ouais, d'ailleurs, est-ce que quelqu'un sait comment faire passer du flat 32 en NTFS? Alors là, bonne question. Mais non, bah, de toute façon, je l'avais vu au Cinoche avec ma chérie. On était allé voir ensemble un coup. Ouais? Ouais, ouais, ouais. Mais au final, ouais. Voilà, j'avais été un peu déçu quand même, quoi. Ah ouais, bah moi aussi. Je suis allé le voir deux fois au cinéma, hein. Mais... Ah, carrément, deux fois. Ah, je suis allé le voir deux fois parce que la première fois, je me suis dit... je suis peut-être passé à côté de quelque chose et je m'attendais peut-être à trop de choses. Parce que, bon, moi, Star Wars, c'est une religion, hein. Oui, bah pareil pour moi, quoi. Je les connais tous par cœur. Ah bah par cœur. Et là, du coup, je me suis dit... il y a peut-être, je suis peut-être passé à côté de quelque chose. Et je suis allé le voir une deuxième fois. Du coup, je m'attendais à moins de choses. Et je vais plus apprécier la deuxième fois. Ah ouais, ouais. Ah bah, franchement. Tu me donnes envie de le retélécharger alors. Ah ouais, non, si, franchement, c'est différent. Ouais, bah, je vais essayer de voir ça. Je vais le télécharger, puis je te dirai ce que j'en ai pensé. Bah, il fait 11 gigas et quelques. Hein. Une mitraillette par là. Non, putain, non. Non, piqué. Pourquoi il y a une rampe là? On peut sauter une série? Ouais, pas mal. Bon, je vais. Sauf que je suis tellement bien, j'ai vu, c'est le petit jeu. Ah ouais. J'ai vu quelqu'un passer. Mais ouais! Aïe! Oh, putain! Ah, joli Kubiak. Touché. Non. Qui te met dans mon dos, super. Non, connard. Ah, j'ai essayé. Oh.
là-bas. Oh, je vais pas non plus en avoir 150. Star Wars, super. Oh, punaise. Bravo. On a suivi le kiff, on n'a pas de blessure. Non, tu... pas l'enculé. Ah, comment tu causes? Ah, mais vache. Quoi, j'avais pas cette arme là. En même temps. Ah putain. Eh ouais, c'est bloqué. Oh non. C'est ça, vous êtes deux contre moi. Ah non, il y avait deux là. Oh, sniff.
Oh putain, l'enfoiré. Oh. Qu'est-ce qu'il faut là? Bim. Attends, j'aime bien, j'aime bien. Oh non, mais moi je m'en viens rien sur ça. Oh punaise. Joli, merci, héroï. J'adore faire le coup du bim. Ok. On est fait. Putain. Ouais. C'est pas une bonne idée d'être comme là-dessus. J'ai pris un 3 de feu, je crois. Ah, c'est pas. Ah non, Mamou. Oh non. Là d'un coup il remonte, il remonte, il remonte bien là, faites gaffe. Combien de points gagnés? Oh putain, non, monsieur. Ah bien. Ah, joli. Là, c'est plus que serré là d'un coup. Manger. Voilà. Putain, l'enculé. Joli Kubiak, je t'avais pas vu au début. Oh là 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 là, rien ne va plus. Ah la vache, non, tu sais, chaque fois il est devant moi là. On passe à deux. De me mettre là. Oh putain, non. Non. Ah, je me suis bourré la gueule déjà, tu vois. À travers la cage, j'y crois. Comment les rouges, il n'y en a plus?
Ah la vache, oh non. Oh non. Ligoubiak. T'es serré quand même, hein? Ah, c'était serré, ouais. On est bien remonté. Ouais, bravo. Bien, merci. Non, moi ce que je dis, c'est que un sorti d'automne, il sent que ce soit de qualité aussi. Mmh. Mais c'est pas grave, quoi. Non, non, c'est évident. C'est évident. Après, si tu sens le film tous les ans et que. Tu es le plus là. C'est grave. Mais, le ratio tu sais, de plus en plus, bon, et on parle de Star Wars, mais on peut parler de n'importe quel film. La semaine dernière, je sais pas si vous êtes allé le voir, je suis allé voir Batman vs Superman. Non, je suis pas allé le voir. J'ai vu qu'apparemment, il y a beaucoup de mecs qui ont fait une sorte de pétition contre le Zack Snyder en fait. Mais bon, c'est une horreur. On parle de Batman vs Superman, on parle même pas de Suicide Squad. Suicide Squad, tu sais, le Suicide Squad, le truc. Ouais, non, non, mais. Alors là, non, mais. Ah, il paraît que sur Batman vs Superman, les avis sont vachement partagés, quoi. Alors, apparemment, il y a des gens qui ont adoré, ouais, exactement. Et alors, moi, par contre, je fais partie de l'autre côté, hein. C'est 2h33 de souffrance où ça ne fait que gueuler, exploser partout, on fait tout péter, comme ça au moins ça plaît. Quand il y a des explosions, de toute façon maintenant ça plaît. Il n'y a pas y avoir de fond, on s'en fout, on met une histoire de merde, mais à partir du moment où ça plaît, c'est sûr que ça va marcher. Et bah, puis, ça plaît aux jeunes publics et aux non-nobles. Et la putain d'armure de Batman, alors moi qui ai grandi avec Batman, avec les vieux Batman dessins animés, avec la vraie ambiance Batman, bah putain, je peux te dire que là, c'est un Batman en forme d'Iron Man, tu vois, avec la super armure. Non, mais tu te dis, on est où, là? Oui, c'est le Batman publicité. Ah ouais, c'est clair. C'est clair, mais attends. Mais attends. Rien à faire, j'arrive pas à l'inviter. Bon, je veux pas défendre le film, hein. Je veux pas défendre le film. Mais déjà, je sais pas si t'as vu... J'aurais pas dû mettre les costumes. Batman Begins, etc. Non, en animé. Le Dark Knight Rises. Ah non, comment il s'appelait? Oui, en deux parties. Dark Knight, je me rappelle le nom. Mais je te le noterai. Oui, oui. Je te le noterai après. C'était justement Batman contre Superman. Dawn of Justice, je crois. Oh, je sais plus. Franchement, je pourrais plus dire. Je crois que c'est Dawn of Justice. C'est Batman contre Superman. Il y a deux parties. La deuxième partie, c'est Batman contre Superman. Ouais, deux parties, ouais, je l'ai vu. Avec le où il combat le monstre dans les égouts. Et c'est bien, ça, c'est à voir. Moi qui me dérange. Franchement, c'est à voir. Moi qui l'ai vu aussi, j'ai vu les deux parties. Franchement, là, ça réconcilie avec la licence. Quoi. Moi, c'est le jeu d'acteur qui tirage. Comme le mec, ils ont pris pour jouer Lex Luthor. Franchement, le mec, ils ont pris pour jouer Lex Luthor et ils sont pris de la gueule. C'est une horreur, ce personnage. Ah bah, ça donne pas envie d'aller loin. C'est psychopathe quand même. Oui, non, mais bien sûr. Mais il joue très mal, il joue très très mal. Oui, Ben Affleck c'est une merde de toute façon. alors Ben Affleck, je m'attendais, j'étais critique d'avance sur lui, et il s'en est pas encore trop mal sorti, je pense. Ouais, peut-être qu'il va pas quoi. Ah, non, il a pas une tête de super-héros. Non, Daredevil c'était une sous-merde. C'était une poussée ça. Hein. Il paraît que la série est bien, mais rien que le film il m'a vraiment pas donné envie. Ah, mais non, mais moi je regarde pas la série parce que le film était tellement pourri que. Bah, c'est ça, moi aussi, le film était tellement pourri que la série, tout de suite je pars mal, tu vois. Et puis voilà, il suffit pas de mettre quelque part des. Il suffit pas de mettre des grands acteurs pour que ce soit bien quoi. Mais c'est clair.
Ah putain non. Il a sauté de la moto ce connard. C'est vrai, je la comprends. Ah oui, on l'avait déjà fait celle-là. Bah oui. Ouais, mais dès que tu tombes dans l'eau, bah il descend de la moto. Mais moi je suis un pro Marvel, hein. Je suis un pro Marvel tout le monde, hein, plutôt. Hein. Je suis pas un pro DC Comics, hein. Moi je suis plutôt Marvel. Ah, j'aimais bien DC Comics. Moi tu vois, les Superman, je les ai tous adorés. Avec Peter Stories. Ouais, mais excuse-moi, vas-y. Les Batman avec Michael Keaton, je les ai tous adorés, franchement. Mais les derniers après, Batman, là, avec Batman Begins, etc. Moi, ceux-là, je les trouve géniaux. Ah oui, ils sont énormes, ils sont énormes. Beaucoup moins baroques que les Batman de Tim Burton, mais très réaliste, c'est ça qui est pas mal. C'est Tim Burton qui m'a fait venir à Batman, hein. Franchement, c'est Tim Burton qui m'a fait venir à Batman. Parce qu'à cette époque, c'est connu, ça m'a jamais plu. Quand j'ai vu les Batman de Tim Burton avec Jack Nicholson, Michael Keaton et tout... Ah, il était énorme. Mais où est-ce que tu t'es tombé? J'ai la décennie de 90 et là j'ai accroché. Là j'ai me suis dit, c'est Batman qui m'a fait venir à DC Comics. Hein. Ah oui, bah Batman il est énorme, Batman. Mais Coco, alors tu l'as vu le dernier là, Batman des Superman ou hein, non, ou pas? Non, franchement non, il ne m'attire pas trop. Je suis pas folie comme. Bah écoute, on en reparlera quand tu l'auras vu, tu te feras ton idée et tu me diras ce que t'en penses, franchement. Moi j'attends moins qu'ils sont en téléchargement, c'est une bonne qualité. Le truc qui m'a le plus attiré ces derniers temps, c'est Oh, tout le monde est en train de me doubler. Le voyage d'Arlo et les Utopias, ça m'a plus attiré que le Batman, que les Avengers. Il y a les Avengers qui vont sortir bientôt là. Avec un personnage central, Captain America qui revient. Avengers 2, moi perso, n'a pas plus vu que ça. Ah non, moi non plus, j'ai adoré le premier. Ouais, le premier était énorme, mais le 2, ouais, c'est un peu chier, quoi. Ils comprennent rien. Ah non, c'est nul. Non, franchement, ouais, c'est pareil. C'est surtout que le 3, c'était une bataille. Le 3, c'était une bataille, donc c'est pas chier. Voilà, c'est ça. Le 3, c'était pas une bataille. Non, mais c'est clair et net, ça. C'est pas vrai, ma quête. Bref. Non, mais moi, ce que j'ai adoré, vraiment adoré, là, ces dernières années en Marvel qui est sorti, c'est Iron Man. Iron Man. Oui, Iron Man, ah, il est énorme. Et puis, voilà. Il joue trop bien, le Robert Downey Jr. Voilà, il incarne Deadpool, mais il peut pas parler, Blake, il n'a pas de micro. Sauf que dans le comics, normalement, Tony Stark, c'est un alcoolique notoire, quoi. Ouais, alors c'est là clair, dans le film, c'est beaucoup plus édulcoré, quoi. Ouais. Ah oui, c'est à fond. On le voit quasiment pas picoler dans les films. Mais le personnage qui pète un câble un peu dans le deuxième. Oh non, dommage. Il s'accorde un petit peu au. Oui, au personnage dans les comics. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Et puis le coup de je vais être la star, je vais être adulé du public, voilà. C'est vachement bien rendu, quoi. Ouais. C'est moi le big boss, j'ai ma esprit le meilleur des super-héros. Merci. Les autres, je les emmerde. Ah, mais le début, je crois que c'est le début du 2 là, quand il arrive d'ailleurs sur du ACDC, comme toujours. Et quand il arrive, quand il saute de l'avion et qu'il arrive sur la scène, putain, c'est. Et là, tu te dis, d'accord, là, ça va être un pur film parce que là, on est dans le personnage. C'est ça. Le gars qui se la pète, qui veut être sous le feu des projecteurs. Tu m'étonnes, alors que tous les autres ils se planquent, quoi, ils veulent planquer leur identité secrète, lui il arrive direct. Allez, c'est moi. c'est clair. Et on a récupéré Blacker, et ben voilà. Ah bah nickel. Bonsoir. Veux Blacker. Ah, c'est une horreur. Non, pas lui. Oh, je suis sur la fin. Kubiak, mais je vous ai entendu parler de Star Wars tout à l'heure. Ouais. Alors que t'as pensé de notre conversation? Bah oui, d'après ce qu'il se dit, oui, c'était lui, hein, le gros méchant. Ouais, je pense aussi, hein, celui que d'ailleurs il s'était vachement bien rendu parce qu'au départ, la première fois que tu le vois, tu t'imagines pas du tout que c'est un hologramme. Tu te dis, waouh, mais c'est quoi du géant là? Non, mais c'est clair. Pareil. Ah oui, tu te demandes, mais putain, une nouvelle espèce.
Et alors, et le, celui qui a le sabre laser là avec la garde, c'est le fils de Solo. Ouais. Okay, alors, mais, ouais. Personne n'a parlé du faux raccord qu'il y a dans Star Wars, et ça me fait halluciner. Il y a un attends, faux raccord. Attends, je vais te dire un truc. Maestrio, ton perso, il fait pas ça. Un livreur de papier urgent, tu vois, de Lucie, un truc de Lucie. Est-ce que tu peux changer ton perso hein? Donc, c'est quoi le mauvais raccord? Tu dis un faux raccord, lequel? Alors, il y a un faux raccord. Je suis allé voir deux fois, je l'ai vu. Alors, le pire, c'est que. Ah, attendez, je vais vous expliquer après. Okay. Faut bien faire gaffe. Non, mais explique-nous. Ça y est, il va pas dormir, Coco, il va pas dormir. Alors, non, il veut surtout qu'il perde la course. Il prend son temps. Il prend son temps pour expliquer. Hein. Au tout début du film. Dans les 15 premières minutes, on va à un moment donné, la bébé 8 qui s'est récupérée par la fille de. Bah, la pédophile de Luke Skywalker. Vous m'entendez ou pas? Oui, on m'entend. Il s'est récupéré par Rex et à un moment donné, je crois même qu'on veut lui récupérer les pièces qu'il a dessus et tout ça, tu sais, et puis donc elle le récupère et elle lui répare une antenne sur son dos. Ah oui, ça me dit des choses. Alors, là tu vois, Disney se plombe la gueule tout seul en venant te sortir. Un truc complètement bidon où on vient faire un zoom énorme sur une putain d'antenne de merde et ben ils arrivent à te foutre un faux raccord sur l'antenne. Elle est noire avec un embout noir d'un côté et de l'autre côté elle est noire avec un embout brillant de l'autre. C'est vrai, j'avais même pas fait gaffe quand je regarderais. Elle regarderait, c'est affolant. Sur l'image t'as pas un bout de ciel, non. T'as un visage, t'as un robot et une antenne, et ben l'antenne ils ont réussi à la chier. Elle est pas bonne. Oh putain, c'est dur. C'est comme aussi, il y avait un passage aussi dans lequel, oui, dans l'attaque des clones, il y avait un passage sur la fin de l'attaque des clones qui m'a fait mourir de rire. Je crois que j'étais le seul dans la salle de cinéma. Alors, alors la vraie traduction c'est vous êtes blessé? Non, je ne crois pas. Alors qu'elle est en train de gueuler comme une dingue. Juste avant en VO elle fait pas. Et puis attends, hey, depuis quand il est dit à un moment ou enfin quoi que ce soit que c'est dans un hangar qu'ils se rend. Elle tombe du vaisseau lui. Alors qu'il suit un autre vaisseau. Et elle dit il faut prévenir des troupes, il faut investir ces hangars. Non mais. Ben bah, Watchy qui est derrière. Mais quoi, il n'y avait pas déjà que c'était un hangar. Alors que en fait, à aucun moment il est question de hangar. On le voit qu'à travers. Bah, c'est ça, personne ne savait que c'était un hangar au moment là. C'est dit donc. Non mais c'est doublage français, c'est des fois qui craignent. Alors, toi tu l'as vu en VO? Bah je l'ai vu, ouais j'ai vu le juste le passage là en fait, le passage dont je parlais. Après j'ai pas vu le film en entier en VO. Et le passage en VO alors ça donne quoi? Ça ne donne pas? Ah bah voilà, ça donne pas du tout la même chose. Ça donne, elle se crouche par terre, elle fait un petit cri normal quoi, mais après voilà, ça coule de source quoi. Alors qu'en VF, c'est genre putain, il vient de me péter la jambe. En fait, je trouve la scène en plus horrible parce que la façon dont elle tombe, elle roule dans le sable. Enfin, je veux dire, il n'y a pas non plus de quoi casser trois pattes à un canard, quoi, tu vois. C'est la doubleuse qui a surjoué. Ah ouais, non, mais la doubleuse, elle a mouillé en même temps qu'elle joue, c'est pas possible. Fait de compte, il y a beaucoup de budget, beaucoup d'argent. Ouais, mais oui, mais voilà, et tu te dis, sur un monument comme Star Wars, tu peux pas te permettre de merder. Non, mais bah, attends, non. Tout l'argent investi, tu veux dire, t'es pas capable de mettre un peu de scénario dans l'histoire quand même. C'est clair, que tu sois cohérent et tout. C'est clair. On parle pas. Et c'est là que tu vois les doublages, par exemple, de Han Solo dans la première trilogie et les doublages de Han Solo dans la dernière, là. Bah, tu te dis, ouais, d'accord, t'as tout compris. Ça n'a rien à voir, déjà c'est même plus la même voix. Mais regarde,
Mais regarde le travail sur le doubleur point. Parce que c'est plus le doubleur, l'ancien doubleur de, d'Harrison Ford, je crois qu'il est mort, ou alors c'est plus son doubleur officiel, quoi. Et attends, non, et t'as vu le doublage de C3PO? Non mais c'est toujours là. Ah lui pareil. Et c'est toujours là. Non mais comment il s'appelle GG Blacker. Merde. Vas-y, dis. C'est qui? Non merde, ah, j'ai perdu le fil, Bon bah GG Bekev. Ouais. Ouais. Bien joué Bekev. Bravo. Ah, merde. Blacker 9ème ce soir, la vache. Ah ouais, ouh Blacker. Bah, j'ai perdu tous les points que j'ai gagné avant, donc c'est cool. Non, non, pas vu sur la fiche. tu cherches qui, Coco? Bureau enquête et analyse, c'est ça, le BE. Ouais les gars. Qu'est-ce qui regarde ça? En attendant, je regarde la télé. Hein. C'est quoi? Qu'est-ce qui regarde ça? Regardez quoi? Ah, j'ai entendu le BEA, le bureau enquête et analyse. Il y a des gens qui sont en train de se des puits de culture là, tu vois. Attends, si ça continue, ça va parler de plus belle lève. Oh mon dieu. Bon, je vais vous mettre un programme et essayer de deviner ce que je regarde. Bah ouais. Un film porno. Ouais, faut... Il s'est passé quoi là, fin d'automne? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé, fin d'automne? Bah, on a tous été séparés. C'est ça. Moi, je me suis retrouvé avec Maestrio et Yuri. Alors Coco, t'as retrouvé ce que tu voulais dire ou pas? Non, pas du tout, non. Toujours pas. Mais je t'appellerai. Alors, je mettrai des panneaux publicitaires dans le centre. En fait, vous avez remarqué que l'emblème a changé? Non, mais c'est par rapport à non, mais c'est par rapport à Star Wars. Ouais, je sais. L'emblème. Ouais, tu cherchais ça, l'emblème de quoi? L'emblème du crew. Ah ouais, j'avais pas fait gaffe. Donc en fait, j'avais fait un concours avec... tout le monde pouvait faire... comment? Un emblème. Ah oui, j'avais vu ça sur le forum, ouais, on pouvait faire un emblème. Ah, ça y est. Voilà. Ah, et du coup, il y a un peu tout le monde qui a plus ou moins gagné, parce qu'ils sont tous inspirés l'un de l'autre. Il y a eu Gerslim... merde... Kikuchi, ouais, Bekev il a refait le bandeau qui avait été en aussi. Et bah c'est Bekev du coup qui a gagné. Alors attendez, vous parlez de quoi là? J'ai pas suivi. L'emblème du crew. Oui. Elle a fait un concours sur le forum. Du coup, c'est Bekev qui l'a remporté. Même si c'est. Enfin, ils se sont tous inspirés l'un de l'autre avec Gerslim
Roy, Kikuchi. Tout le monde. Ok. Voilà. C'est tout. Ah, Bekev, il a gagné, j'ai même pas voté. C'est bizarre ça. Non, non, mais c'était. De toute façon, tu pouvais pas voter, c'était que moi, Yo-Yo et. Vince qui votions. Donc voilà. On peut le voir sur le forum là. Oui, bah, oui, tu oui. Tu peux le voir dans ton. Non, mais là, tu peux le voir aussi là, voir, oui. Soit sur le forum, soit sur le social club, ou même là en jeu. Hein. Oui. Tu regardes tes stats, hein, simplement. Oui, regarde oui. Qu'est-ce qu'il a mis alors. Les statistiques. Il a fait quoi comme dessin avec Kev alors. Bah, appuyez tous sur Start. Vous faites, ouais. Vous allez sur en ligne, joueur, voilà. Vous allez sur un de nous, là, vu qu'on est tous au même trou, et vous regardez l'emblème de trou, c'est tout. C'est Batman. Non, ou tu vas dans en ligne, mais trou. Ouais, ouais. Oui aussi. Ah, putain, c'est beau. Ah, il est magnifique avec la manette PS3. Avec la manette PS3. Ah ouais, ouais, ça dégage. C'est vrai qu'on le voit mieux, on le voit mieux quand même sur le forum ou sur le social club, parce que les lettres, elles sont dessinées avec des munitions, des dollars. Ah ouais. Ah, on doit mieux voir sur la PS4 aussi. Ou alors sur un t-shirt, ouais, sur un t-shirt, ça devrait bien se voir aussi. Sur une bagnole. Ah, ça, on doit mieux le voir sur la PS4 aussi. Hein. Bon, mais vous bien que dans ton garage. Ah, t'es dans mon garage, mais je t'ai pas invité. Devant, enculé. Devant. Ah bah, tu vas rester bon. Ah, je t'attends. Ouais, ouais, bah, ton taxi est avancé. J'ai pas trop envie de sortir là quand tu me dis je t'attends. Oh, mais je vais rien te faire de mal. Ouais, je vais ouais, être ouais. Gentil. Je vais que ta première fois. Ouais, gentil. Alors là, je demande à voir. Ça va rentrer tout seul. Oh. Dégueulasse. Ouais, appelez-moi privé, bordel. Je parle de Kevin là. Ah mais il va rentrer tout seul dans ma voiture. Ouais, c'est ce qu'on dit, ouais. Gare à ton cul, Kubiak. Hein. De quoi? Gare à ton cul. Ouais, justement, je sors, mettre... j'ai peur. Le turbo, le seul va mettre le turbo. Hein. Oula, non, Becker, non. Bah, je te tourne ma porte de mon côté, putain. Ah, mais il trouve le moyen sur le coup de la voiture. Purée, j'ai pas fait beaucoup. Ah, tiens, Koub, là, il y a des nouveaux riders là, qui sortent dans les prochaines semaines. Là. Ah, ouais. Ouais, là, cette semaine, on a la Tornado là, qui est sortie. Ouais, j'ai vu Yo-Yo mettre une vidéo là sur Facebook où il en parle. Elle me plaît pas beaucoup. Ouais. La Tornado, moi ça me dit rien. Ensuite, la semaine prochaine, tu as le minivan. Ah, d'accord. Ouais, minivan, ouais. C'est pas comme le slam van un peu. Non, c'est pas le même. Et la semaine prochaine, t'as cette voiture. Enfin, la semaine d'après, hein, encore. T'as cette voiture, la Sabre Turbo, pas pour le rider. Ah, celle-là, elle claque, la Sabre Turbo. J'ai toujours adoré dans Et ben, elle va, dans deux semaines, ça va devenir un lowrider. Oh putain, énorme. J'ai vu un peu des modeurs sur internet qui, sur PC, qui avaient déjà réussi à débloquer les trucs. Sympa, hein, le lowrider de la Sabre Turbo. Ouais, bah j'imagine bien, Ouais, elle peut avoir des échappements maintenant sur les côtés en lowrider. Ah ouais, ça peut être. Elle n'a pas beaucoup de modifications hein, sinon, mais après, ça va bien toutes les bonnes couleurs. Ouais, bah ouais. Attention, il y a une prime devant. Ah, attaque. Ah ouais. Non. Mais non, c'est pas moi, j'ai pas de pied. Oui, t'as une prime sur ta tête. Oui. On sait pas qui c'est gagné. Hein? Mais je dis, on sait pas qui a gagné. Ce soir. C'est Bekel. Mais non, c'est pas Bekel. Tu vas mourir, mec. Est-ce que t'as les chiffres? Parce qu'à l'équipe, ça peut être tout le monde. Hein. Ça peut être tout le monde qui a gagné ce soir. Donc, je voulais dire à tout le monde que j'ai gagné ce soir.
Oh l'enfoiré. Oups. Ah, qu'il a cartonné là. J'ai appuyé un peu trop tôt là. Oups, j'ai glissé, chef. Alors franchement. Ah merde, je peux pas le prendre, il est fou. Ah, le nouvel emblème, il est beau. Ouais, j'avoue, ouais, il est chouette. Ouais. Je vais aller voir sur le forum, mais c'est vrai que c'est pas mal. Ouais, ouais, il faudrait que j'aille voir. Bon, les gars, je vais vous laisser, là, il faut que j'aille me coucher. Ouais, moi, je vais y aller aussi, de toute façon. Pourquoi ? Bah, parce que demain, boulot. Là, moi aussi, je vais pas tarder. Ah, putain, non, moi aussi, je vais partir. Ah, non, donc bah je vous souhaite à tous une bonne nuit les gars. Bonne soirée pareil. Bonne nuit, à bien. À très vite alors. Et Borez. Ouais, t'inquiète pas, ça fait pas trop de solide ton corps. Ah bah tout seul ce sera un peu triste. Ah. Il y en a qui s'en fait pas. Ah oui, il y en a qui. Bah oui, c'est sûr, ouais. Mais bon, YouPorn, ça va 5 minutes. Allez, bonne nuit à tous les gars. Ouais, bisous, tchao. Bisous, bye bye. Bon, on va essayer d'y aller. À la prochaine. À la prochaine, madame. Plus. Ciao. Ciao. J'ai trouvé que c'était un jeudi soir un peu calme quand même, non? Ah, il y avait moins de monde. Il manquait Kikuchi. Non, mais j'ai pas de raison, les gars. On dirait que c'était vos... Calmez-vous, vous pouvez être vous-même aussi de temps en temps. Tout le monde était un peu calme. On dirait qu'il y avait eu un... Ah, bah tout le monde devait avoir sa prescription de morphine. D'accord, bravo. Bravo, monsieur Becker. Bravo. On attaque Bao. Direct de la poitrine. D'accord. Non, morphine. Morphine. Qu'est-ce que c'est de la morphine? Oui, non, mais je sais, je sais. Non, mais t'imagines la morphine quand même? Elle est où ta prostituée, Ike? Oh, il y a un t-shirt de terre encore. Comment tu fais ça, toi? Je l'ai trouvé. Oh là. Bah, tu peux mettre l'emblème ouais, sur n'importe t-shirt, quoi. C'est moi, voiture. Je vois le truc tout pixelisé. Hein. Je le dessine, je le vois pas. Hein. Mais ouais, si, mais bon, c'est pas mal quand même. Gagné. Non, mais attends, le mec il se la joue mystérieux avec sa dégaine et tout là. Avec sa dégaine, il se la joue mystérieux. T'as gagné, c'est bon, tu peux pas te mettre en tenue de. Tenue de week-end. Mets-toi. Alors, Ike, comment t'as fait ça? Je te dis, tu vas dans la boutique de vêtements. Ouais. Un t-shirt ou je sais pas quoi, et tu peux rajouter l'emblème du crew. Ah, ok. Okay, ouais, okay. Sur une bagnole aussi, tu peux. Sur la bagnole, je savais, mais pas sur un t-shirt. Ah, si. Bah, je vais vous laisser, là, je tiens plus. Marche. Ouais, bah moi c'est pareil, les gars. Bonne soirée, bonne nuit. Bah, tiens, maman, si tu veux voir le nouveau contre-la-montre, hein, je vais te donner en vidéo. Hein. Ah, je l'ai essayé, j'ai pas réussi. Ah, il est pas évident. Ah non. Il y en avait un autre qui avait une vidéo aussi, mais trop dur. Ah, tu regarderas où je passe. Ça marche. Ouais, je regarderai, y'a pas de soucis. C'est les premiers mètres qui sont les plus chiants. Après, ça va bien gérer les premiers mètres. Après, ouais, et c'est une fois arrivé tout en haut aussi que c'est chiant. Ouais, ah bah tu verras, je prends appui sur un rocher. Pour le ouais, je sais. Bah, t'as dû t'inspirer d'un mec qui l'a fait avant. Oui. Ah bah oui. Ah bah oui. J'ai.
Moi je pensais prendre le chemin normal, mais pas assez de temps. Ah bah voilà. Bonsoir madame. C'est sûr qu'il est pas évident, mais une fois que t'as pris le coup, ça va tout seul. Mais tu parles de quoi? T'as dit le coup tout seul. Mais quoi? Non, ça va. T'as dit le coup tout seul. On a dû mettre la musique parce que... Allez, bonne soirée à vous les gars. Merci à toi aussi. À la prochaine. Et puis merci Ike pour cette bonne petite liste de ce soir. Pas de soucis. Allez, ciao ciao. Ciao. Aussi il est parti. Ah, ouais, mais Kev aussi va y aller. Ok, bah à plus. Nuit. Bon, je vous laisse. Bonne soirée. Salut. À la prochaine. Bah, moi aussi je vais y aller. Hein. Bye. Ciao tout le monde. Come on baby, hurry. Come on baby. Hurry, yeah. Thank you. Don't make me wait. C'est pas tout. Bon, moi je vais y aller aussi. Merci, à plus, oui. Bonne nuit. Oui. Encore eu des bugs. Encore eu des putains de bugs.